Bonsoir à tous, donc je me présente, je suis Olivier Aquin, président de l'association Sport Lumière. Donc j'invite les clubs et les associations à découvrir ce nouveau concept, pratique d'activité sportive sous lumière noire. Suivez-moi, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bienvenue dans mon monde. Donc là c'est le coin buvette, on vient sous l'eau, on commence. L'entrée, direction. Donc là on est à Villefontaine, dans le département de l'Isère 38, avec le club de ping-pong de Villefontaine. Suivez-moi. L'événement ce soir pour faire venir en fait tous les jeunes de Villefontaine à essayer le tennis de table et puis voilà adhérer et venir s'entraîner tout au long de l'année. Du club de tennis de table de Villefontaine. C'est une petite section qui a vu le jour il y a 3 ans maintenant, malheureusement pendant la période du Covid. Petit à petit, on a eu plein de licenciés qui sont arrivés au club et c'est vraiment une ambiance très familiale. Donc on a voulu leur dédier une soirée pour qu'ils découvrent le ping-pong sous une autre forme. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à l'association Pink Fluo pour pouvoir nous mettre l'animation dans cette salle. Et ce soir, on est très contents parce qu'on a eu plus de 60 personnes qui sont venues, des parents, des enfants, des grands-parents. On a eu aussi des personnes des clubs voisins qui sont venus nous faire signe et qui ont été très impressionnés par la qualité la proposition, tant avec les lumières qu'avec cette réalité du dark ring qui reste quand même quelque chose d'impressionnant. Voilà, donc ça a été vraiment un plaisir ce soir de permettre aux familles de découvrir le dark ring. L'association Sport Lumière, donc le principe, c'est de pratiquer son activité sportive favorite dans une ambiance festive, dans l'obscurité, sous lumière noire. Avec du maquillage fluorescent, des goodies fluorescents, dans une ambiance fun, festive, type discothèque. Alors donc, je suis en présence de l'adjoint au maire de Villefontaine chargé des sports, monsieur Rachid Meslem. Et ce soir, je voulais vraiment remercier la mairie sur tout le soutien qui nous est apporté, notamment sur cette soirée qui est quand même exceptionnelle et assez décalée dans le milieu du sport. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir soutenus. Bah écoutez, moi je vous remercie surtout d'avoir créé cet événement. De ce que j'ai vu, en tous les cas, c'est une belle réussite. Un peu plus de 60 personnes, des parents, des enfants, des familles, en fait, tout simplement. Pour faire connaître peut-être le tennis de table sous une autre manière, un peu plus de convivialité. Je n'ai pas vu de gens plutôt en colère, j'ai plutôt vu des sourires, des gens heureux. Donc j'aurais quelque chose à vous dire. C'est quand la deuxième? La deuxième? Alors on va y réfléchir, parce que c'est vrai qu'on ne va pas s'arrêter là. Merci. Merci. Le Ping Fluo de Tennis, c'est super!